en ce 15 août 2022. Donc le 15 août à Tonnance, évidemment, c'est une journée incontournable. Cette journée, c'est la journée où on présente notre patrimoine voulu et travaillé par deux associations tonnancaises sur ce 15 août sur nos voitures anciennes. C'est une journée et manifestation connue et reconnue sur la France entière et voire même en Europe, me disait monsieur tout à l'heure. Donc cette manifestation, évidemment, est de la plus haute importance pour notre ville, car ça montre le dynamisme de nos associations, le dynamisme de notre ville. Alors évidemment, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont participé à cette manifestation qui est venue dans la journée, depuis ce matin 7h je crois, et jusqu'à ce soir. Venesse, où plus de 900 voitures sont présentes aujourd'hui, on en parlera, les coprésidents en parleront tout à l'heure, avec 12 000 3000 personnes qui sont attendues aujourd'hui. Donc vous imaginez le niveau de la manifestation. Et puis ce soir nous avons le concours d'élégance au Théâtre des Verdures, sur Tonnance, sur le centre-ville, où je vous invite à venir bien entendu aussi. Et ce concours d'élégance qui sera le 10e est aussi un moment extrêmement attendu. Alors, je voudrais profiter de ce 11e anniversaire de Venesse, ici. Je voudrais profiter de ce 10e anniversaire du concours d'élégance de Tonnance pour présenter ce site. Et j'ai proposé à mes élus, j'ai demandé que l'on baptise ce site aujourd'hui. Et alors, évidemment, une personne extrêmement méritante est l'élu qui donnera son nom à ce magnifique site de Venesse, la chapelle, le parc de Venesse, et évidemment en lien avec cette manifestation importante de la ville. Cette personne, c'est un ancien maire de la ville, c'est Jean-Pierre Rousty. Alors Jean-Pierre Rousty a été président de l'association Les Passionnés du Lyon pendant plus de 20 ans. C'est lui qui l'a créé. C'est lui qui a amené cette dynamique sur cette association et c'est lui qui en est aujourd'hui le président d'honneur. Mais Jean-Pierre Rousty a été aussi, depuis 1977, le maire de notre ville pendant quatre mandats successifs jusqu'en 2001. Jean-Pierre Rousty donc a été notre maire et, je le répète, à l'origine de ce mouvement sur ces voitures anciennes, sur notre patrimoine. Il a été aussi conseiller général de 1973 à 2004, conseiller général et conseiller départemental d'ailleurs sur notre département. Voilà donc un homme extrêmement méritant aujourd'hui, donc ce magnifique parc va porter dorénavant son nom. Alors je propose à tous les présents, je propose au président d'association, je propose au sénateur Jean-Pierre Moga. Je propose à ma collègue Aurore, je propose à son fils Jean-Patrick Rousty nous allons dévoiler ensemble cette plaque. Jean-Pierre Rousty n'a pas pu venir aujourd'hui, il est invité, il est malade, et il n'a pas pu venir, mais croyez bien que pour lui, c'est une journée aussi extrêmement importante qu'il apprécie bien entendu. Donc je propose qu'on dévoile cette plaque. Attendez, allez-y. Allez. Jean-Pierre, tu ne changes pas, hein. Voilà, et puis, au nom de la ville, au nom de l'ensemble des Tonnanquais, nous dévoilons cette plaque pour Jean-Pierre Rousty, qui est maire honoraire, c'est tout, et qui est président d'honneur de l'Ensemble. Voilà, bravo. Voilà.
Voilà donc cette plaque dévoilée au nom de notre collègue Jean-Pierre Roussy. J'en passe, est-ce que tu veux dire un petit mot au nom de ton père? Non? Bon, mais je vais laisser monsieur le sénateur dire un petit mot, qui lui aussi, évidemment, fait partie de l'équipe d'une autre association, certes, mais d'une équipe qui valorise notre patrimoine toninquais, notre patrimoine sur ces voitures anciennes. Jean-Pierre. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, monsieur le conseiller général, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, je vais essayer d'être bref parce que je pense que vous n'êtes pas venu uniquement pour écouter des discours. Et simplement, je vais vous dire que cette manifestation, elle a été montée à l'époque d'Anne, votre mère aujourd'hui était mon actuelle, c'était il y a 12 ans maintenant, puisque c'est la 11e manifestation, mais elle a eu un an de perdu avec le Covid. Donc quand nous l'avons monté avec Jean-Pierre Roussy, justement, nous ne pensons pas qu'elle prenne une telle dimension, mais en tout cas qu'elle la garde. Je crois que c'est grâce à tous, grâce aux passionnés de Lyon, grâce à la ville de Metz qui s'y investit beaucoup et qui s'y investit longtemps et qui a continué à s'y investir, et puis grâce aussi à notre club des Calabres qui participent aussi à cette journée, et tous les clubs voisins et tous ceux qui ne sont pas dans les clubs qui viennent présenter les voitures qui sont pas combien cette année, mais peut-être 7 800. Donc par rapport à mon prédécesseur Jean-Pierre Roussy, je ne vais pas redire ce qu'a dit le maire, mais je voudrais m'associer à ce qui a été dit de lui. Je le partage entièrement. Effectivement, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour notre ville, qui aussi s'est énormément investi pour la cause de l'automobile. Et quand nous avons monté cette manifestation, c'était aussi pour le tourisme, par rapport au tourisme. Et on avait considéré tous les deux que les voitures de collection, les voitures anciennes, les véhicules, les motos, etc., les tracteurs et les camions pouvaient être aussi quelque chose, un vrai vecteur de tourisme pour Tonnes. Donc voilà, je sais que Jean-Pierre aussi actuellement est un peu souffrant. Je lui souhaite tous mes voeux de prompt rétablissement. Et monsieur le maire, avec votre conseil municipal, je vous félicite et je vous remercie d'avoir fait cette place à son nom, car il le mérite vraiment. Donc vive la voiture ancienne à Tonnes, vive le parc de Vénès, Jean-Pierre Roussy. Merci monsieur le sénateur, merci Jean-Pierre. Les coprésidents, peut-être Gilbert, tu veux dire un petit mot, conseiller départemental. Merci de laisser la parole, monsieur le maire, monsieur le sénateur, monsieur le président, messieurs et mesdames, les exposants aussi que j'ajouterai à la grande liste, puisqu'en fait, sans eux, il n'y aurait pas la fête aujourd'hui à Venise. C'est vrai que nous sommes tous des élus du terrain depuis toujours, dont nous aimons notre parc de Venise, comme tous les parcs aux alentours. Moi, maire de petite commune, j'ai un parc aussi, mais il est différent. Mais en fait, chacun a le droit de faire des manifestations. Et c'est très agréable, justement, aujourd'hui, particulièrement, parce que le temps s'est mis à la partie. Et c'est tout à fait super, parce qu'en fait, il y aurait peut-être moins de monde, parce qu'on était vraiment dans un problème climatique assez sérieux. Alors, je m'associe, bien sûr, à monsieur le maire, pour cette plaque qui, bien sûr, avec Jean-Pierre Roussy, nous avons travaillé ensemble. Longtemps, et c'est un homme qui voilà, a une passion, et cette passion elle existe, elle est là, elle continue, et je lui en remercie, et à vous tous de continuer aussi à penser à tout ce travail qu'il a dû faire avant, parce que rien n'est simple quand on est un élu. Bon, je m'associe également à tous ceux qui exposent, tous ceux qui viennent de loin, tous ceux qui ont le courage de venir avec le temps. Et puis en ce 15 août, c'est la tradition, on a laissé passer le Covid, on recommence nos festivités. Moi, je suis heureux parce qu'en fait, je suis conseiller départemental depuis, donc c'est la première fois que je vous cause aujourd'hui ici. Et donc, ça, c'est pas la dernière, je pense bien. Et je vous remercie à tous de m'avoir accueilli, invité, et à ce soir aussi. Donc, bonne journée, bonne chance à tous. Merci. Merci, Gilbert. Messieurs les coprésidents de l'association Les Passionnés du Lyon.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais remercier surtout le maire pour l'initiative qu'il a prise et je peux l'assurer. J'ai eu Jean-Pierre aussi hier soir en train de téléphoner encore à 10h. Il est extrêmement heureux. Vous avez fait, monsieur le maire, un homme heureux. Je crois qu'il faut vraiment le mentionner parce qu'il était très aimé. Je voudrais en profiter pour remercier toutes les personnes qui sont sur le site. Je voudrais profiter également de remercier les 65 bénévoles qui sont aujourd'hui sur le site. Je ne sais pas où ils sont, ils ont l'air un peu dispersés, mais sans eux, rien ne peut se faire. Et on avait prévu, au niveau des passionnés du Lyon, lors de l'Assemblée Générale, de la passation de pouvoir qui s'est faite entre Jean-Pierre et moi, on avait prévu de lui remettre un cadeau. Ce cadeau n'a pas pu se faire lors de l'Assemblée Générale qui avait lieu en fin février. Donc je l'ai amené aujourd'hui, on va le faire officiellement, je vais le remettre à Jean-Patrick et puis on fera en sorte d'aller lui porter le bureau et moi-même, on fera en sorte d'aller l'approcher dans son garage, ou peut-être même dans son chambre, on verra. Voilà, je vous remercie, c'est très gentil d'être là, je profite vraiment de voir, il y a à peu près au moins 900 voitures, on n'a pas encore fait le compte, mais on est largement au-dessus de l'an passé. Je sais qu'on a un petit souci de restauration, puisque les gens ne l'avaient pas réservé forcément, ils ont attendu le dernier moment, et on est un petit peu limité dans les repas, donc qu'ils soient conciliants et qu'ils fassent comme eux, et on va leur donner quelques sandwichs si on en reste. Voilà, je vous remercie, et surtout merci le maire, qui est principal, qui nous aide financièrement et techniquement, sans qui on ne pourrait pas faire cette optimisation. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vais remettre la plaque à Jean-Paul. Alors Jean-Pierre aussi, je lui fais ça parce que c'est un passionné de plaques, je ne peux pas dire comme il en a, parce que ce serait indécent, je n'ai pas le droit de le dire, mais c'est un amateur de papier maillé, et je suis sûr que celle-là, il ne l'aura pas. Tourne il la ne l'a pas, nous. Tourne la page pour moi. Bien, écoutez, merci à toutes et à tous. Merci évidemment à nouveau à tous ceux qui ont participé à cette manifestation. Merci à tous les exposants, et quand on voit toutes ces voitures, et notamment beaucoup de voitures populaires aussi, hein, c'est vraiment super. Voilà, donc bon appétit à toutes et tous, bonne journée à Bénès, magnifique journée à Bénès, avec un beau temps, et puis bonne soirée aussi à ce concours d'élégance. Voilà, donc place à la musique, place au repas, place à la fête. Merci à tous, bonne journée. Ah, c'est ta mère, la buvette, elle ne marche plus.